Yo l'autre fois, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media now là depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Police communautaire et du pola distribué jeudi 4 juin, kit sanitaire by population dans cadre commémoration 25e anniversaire police nationale là dans pays d'Haïti. Dans l'occasion, responsable du pola commissaire PNH là, Magali Belnon annoncé ensemble projet pour PNH là accompagner population dans période maladie cap propagé dans tout pays. Et l'autre information nous gagne pour vous, commissaire Michel Angeli Jeanne confirmé gain 9 policiers qui perdent la vie pendant week-end passé à 6 mourir dans maladie. L'IDI PNH a continué à appliquer mesures sanitaires pour empêcher maladie à gagner plus parmi eux. Si c'est première fois visiter nos informations nous partageons intéressé, pas oublier abonner, n'a pas invité à suivre. Ça vient pas tout acheter, c'était dans le matériel police communautaire distribué dans le but pour renforcer les policiers là à la population. Situé dans la bataille cap mené pour combattre la propagation coronavirus là, d'après le responsable éthique pour la commissaire Magali Belnon. Activité ça lui inscrit dans le cadre anniversaire de la police là, 4 juin 95, 4 juin 2020, ça fait la police a pratiquement 25 ans, donc nous-mêmes nous prenons les 25 ans de carrière, donc c'est ça que l'activité ça voulait dire, c'est ça le symboliser je dis. Nous à la tête de structure la police qui c'est police communautaire, donc nous avons déjà initié ce programme ça, donc nous tout renforcer juste pour nous vivre la population hein, que la police est ma veille pendant 25 ans de service, nous venons marier saucisserie plus avec la population hein, juste pour nous venir non seulement pour nous renforcer lien nous mais pour nous dire pour protéger toute cette maladie qui fait rage dans le monde. Responsable logistique PNH là, inspecteur du Nouveau-Mère Dieu nous pour présenter ses bâtiments à la famille tout policier qui victime en bas pandémie coronavirus là. Puis loin, inspecteur pour demander aux citoyens de nous traiter ensemble et puis appliquer tout conseil d'autorité sanitaire. Nous avons estimé assez important pour nous montrer collaboration avec la population. Nous avons tenu par présence, participer dans le mouvement. C'est maintenant un pile policier qui est actif, qui n'est pas actif, un pile pionnier qui a participé. Nous appelons que nous avons déjà, qui est notre collaboration, que nous retirons le chapeau de nous devant eux. Et puis on a participé dans le mouvement avec police, à travers la police communautaire. Et la police, nous sommes obligés de travailler quelque chose à jamais parce que nous avons une population pour nous faire service. Nous sommes balayés pour quelque chose, mais nous-mêmes en tant que nous ne sommes pas épargnés de ça qu'a fait dehors. Nous sommes capables de nous, même de nous, policiers en tout pays, nous levons à 9 policiers de gagner qui ont mouru, de maladies, d'épidémie. Et pour plusieurs années, on a posé une question. À date, la police est capable de confirmer que 6 ou 9 cas ont vérifié effectivement ce COVID-19 qui tue. Parce que dans le temps, par mesure de principe, on peut pouvoir dire qu'il faut que nous gagnions des certificats médicaux qui sont capables de permettre de dire qui maladie, qui tue, qui mourent. Parce que nous qui avons expertise dans le domaine ça, c'est nous-mêmes qui pouvons dire ça. Et maintenant, nous sommes à même de confirmer que parmi les 9 de personnes tuées, 6 d'entre elles sont tuées par le COVID-19. Mais maintenant, depuis plusieurs années, qu'a demandé pour qui ça, la police l'a fait en termes de prévention et en termes de prise en charge, souvenez, pour limiter la propagation parmi l'autre unité dans la police. Là. Et la police là, c'est l'homme la première institution dans le pays qui était prend devant par rapport à l'éventuelle arrivée de avant le 19 mars, avant l'autorité sanitaire été annoncée, la police lui était guettant, prend des dispositions, vu de rapport de proximité, que la police là, ensemble d'éléments policiers développés avec la population. Parce que déjà, comprenons tout, les policiers, pardon, n'ont pas exempt de situation ça. C'est pour ça, depuis un mois de février,
février, deux semaines de formation avec différentes unités de la police là sur arrivée éventuelle maladie a été déjà organisée par la direction médicale de la police là de concert avec l'autorité sanitaire pour te sensibiliser sous question. Et malheureusement, un mois après, au public de Bral, annoncé que la maladie est arrivée. Donc, directeur général de la police là, M. Normil Rameau, qui multiplié mesures préventives à travers structure centrale et départementale que le gagne, à savoir doter le bâtiment de police de corps pour permettre de faciliter la vague de mer. Et nous connaissons direction médicale là, avec direction personnelle là, qui mette en place, bien sûr, sous instruction du directeur général de la mission de Ramon, atelier de couture, pour avoir côté policiers, pas capable de confectionner des masques. Et premier stock que nous avons confectionné, nous avons baillé à des unités de pluriannuelle, ça veut dire que c'est des unités qui ont un contact permanent avec la population et jusqu'à présent, ils continuent à travailler pour permettre à ce que tous les policiers, quel que soit le côté, il y a pour capables de vivre, doter de masques et de protection. Donc ça veut dire que la police là, tout est inscrit dans la même démarche que l'autorité met en place là, le protocole de prévention et de prise en charge là, c'est le même tout que la police là, lui-même l'applique. Donc c'est distanciation sociale, port de masque, lavage de main, et quel que soit, c'est dans la rue, dans le contact que les policiers ont gagné avec la population dans le cadre de service, que ce soit dans le commissariat, un membre de la population vient chercher un service, soit nous venons porter une plainte, soit nous venons voir qui n'a garde à vue, pour quelque raison que ce soit, un membre de la population qui rentre dans le commissariat, donc les policiers, le directeur général, l'a demandé de respecter les limites appropriées, ça les distanciations sociales là pour permettre que eux-mêmes, ils aient été en santé. Parce que si on n'a pas été en santé, il n'y a même pas de la population en service. La police est dans Saint-Charles, t'es informé, t'es alerté par téléphone, t'es gagné un incendie et qui est déclaré dans le bon repos 50 prolongé numéro 58. Une fois la police t'est informée, ils ont envoyé une patrouille sur place pour aller vérifier qui ça qui gagnait. Malheureusement, ça a pris temps. Là, il y a effectivement un incendie. Et malheureusement, ça a pris temps pour te joindre un juge de paix, pour te accompagner. Mais c'est comme ça, pour aller, quelques heures après, il y a un proche et victime de Mme Jean-Pierre Maud, qui a recueilli la justice de paix. Et c'est Maître Moïse Jean, que proche. Et victime ça, victime là qui c'est Rico Maurice, et après le wiki pour le faire, pour le constater et faire. Faire ce qui s'allie. La justice dépend d'un cafou, pas de temps où tu es arrivé, mais arrivé effectivement, c'est un incendie. Et nous avons une maison de trois pièces, et il y a une pièce sur le côté Rico Maurice, il est complètement incendié, et la justice dépend avec la police, où tu as le corps sans vie, ou bien apparemment sans vie, de Rico Maurice était sous sol là. Donc monsieur était complètement brûlé. Mais rapidement, ça me dit nous, c'est que monsieur Maurice, c'est un boss électrique, ou bien un électricien, ou bien les réparer des appareils électroniques. Ça veut dire que côté la vive là, il trouve un shop électronique là tout. Parce que la justice de paix est capable de constater plusieurs appareils électroniques que monsieur les mêmes l'État préparé. Mais toute enquête que la police de la zone menait, de concert bien sûr avec l'autorité et la justice, n'a pas gagné absolument rien pour à sa demande mal intentionnée à faire courir sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tout ça à la police disposé comme information jusqu'à date montre que c'est un incendie accidentel en lieu et place d'un incendie criminel que un pile monde a fait comprendre. Pas de question comme ça du tout pour M. Rico Maurice, que c'est parce qu'il était malade. Donc c'est un incendie accidentel, mais la police judiciaire de Cafo
est encore à pied d'œuvre pour capable déterminer qui ça et comment accident ça fait arriver. Est-ce que son baleine qui était lui-même en moment monsieur peut-être tap, et ranger des appareils électroniques ou encore est-ce que Dieu fait ça son côté le soutien soit avant pour tel ou bien qui ça qui est encore la cause de accident ça. Donc on a continué de travailler sur ça et au moment opportun rapport de police a carrément nous n'a pas dit exactement ça de la cabine et nous cap garder avec moi là ça c'est procès verbal que juge Moïse Jean dressé dans la circonstance et ça va prendre temps pour nous venir nous pour montrer que à l'opinion publique là pas de question que c'est nous qui tuer pour qu'à protéger tête pour pandémie. Donc nous avons un rapport juge de paix venir nous là, nous avons un rapport police responsable police dans Kafou qui vient joindre nous là. Donc au moins qu'on a là opinion publique là nous éclairer suffisamment sur question ça. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son babes a chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.